Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Cabernet Merlot, millésime 2011, cuvée Thomas du domaine Vigier. Le domaine Vigier a été créé en 1789. Ça fait de lui le domaine le plus ancien de l'Ardèche méridionale. Il est implanté entre le ruisseau de Liby et les forêts de chênes, ce qui permet à la vigne de se développer à merveille dans un sol argilo-calcaire recouvert de galets déposés par le ruisseau. C'est une affaire familiale et aujourd'hui, tout le monde a un rôle bien défini pour le bon fonctionnement de ce domaine. Côté vigne, on va retrouver Stéphane Dupré qui gère toute la partie vigne en maîtrisant vraiment tout ce qui est travail des sols dans un respect de son terroir. Il essaie de conduire sa vigne de façon biologique. Il n'utilise pas de désherbants, il utilise des engrais biologiques. Il sélectionne les plants de manière très rigoureuse et la production moyenne du domaine est de 42 à 45 hectolitres par hectare. Côté vin, on retrouve Grégory Dupré. Sa philosophie est d'intervenir le moins souvent possible sur les vins afin d'avoir un vin vraiment naturel. Et côté commerce, on retrouve David Dupré qui a pour objectif d'instaurer un excellent rapport qualité-prix. Alors aujourd'hui, le domaine de Vigier a une gamme de cuvées dont la typicité représente vraiment son terroir. Au niveau de ce vin, on peut le regarder de plus près, c'est une bouteille qui est vraiment harmonieuse, tant au niveau de la capsule, de la forme de la bouteille ou encore de l'étiquette. On retrouve une petite médaille dont je vais vous parler tout à l'heure. Sur la capsule, on retrouve le nom du domaine. Domaine Vigier, voilà, en doré sur du noir, c'est vraiment très joli. L'étiquette en elle-même a beaucoup de relief, que ce soit le fond de l'étiquette comme les écritures en doré. J'essaie de vous faire voir, c'est vraiment très joli. On retrouve donc le millésime, le nom de la cuvée, l'appellation. Et le nom du domaine. Sur la contre-étiquette, on a une petite historique du domaine et des conseils de dégustation du vin. C'est un vin qui est à 14 degrés. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Bon, il ne veut pas. Voilà, 14 degrés. Et on retrouve les coordonnées du domaine. Alors, la cuvée Thomas est un vin qui a une belle robe de couleur soutenue, avec des nuances grenat et des reflets violacés. Il a un nez rond et puissant qui exprime des notes épicées et de petits fruits rouges bien mûrs. Son attaque est ronde et fruitée. Ses tanins au seuil sont ronds et très enrobés. Il y a un bon équilibre et une bonne persistance. Dans l'ensemble, c'est un vin qui est harmonieux, fin et très racé. Au niveau des cépages, on retrouve du Merlot et du Cabernet. Ils sont donc sur un rendement à peu près de 50 hectolitres par hectare. Les vignes ont une vingtaine d'années et ils font un élevage de 9 mois en barrique. Au niveau des récompenses, comme on peut le voir sur cette bouteille, alors là, c'est la médaille d'or Paris 2012, mais ils ont reçu la médaille d'or donc à ce concours général agricole en 2011, 2012 et 2013. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de découvrir et déguster ce vin, découvrir le domaine et les autres vins. Si vous êtes professionnel, cliquez sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Professionnel ou non, aimez nos vidéos, commentez-les, partagez-les, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt!